mis sur la page Lisa Scrap & Co. Mettez-moi un petit message si vous êtes là, si vous me voyez, si vous m'entendez bien. N'hésitez pas, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en retard. Vous m'excuserez. J'ai eu un petit problème avec l'ordinateur, il a fallu que je le redémarre. Bon, bref. Bonjour, bonjour. Alors, faites-moi un petit coucou, dites-moi qui est là, qui nous a rejoint. Dites-moi si vous voyez bien, si vous nous en m'entendez bien. Et puis dites-moi un petit bonjour. Bonjour Fatou. Ça se met pas à jour. Je suis un petit peu en retard, excusez-moi. Mais je suis là. L'essentiel, c'est que on est là et on va faire le petit projet ensemble. N'hésitez pas à partager cette petite vidéo sur vos pages respectives pour faire venir les gens. Et puis bah pour m'aider à me faire connaître un petit peu. J'ai un peu la lumière dans la figure là. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, on va laisser quelques minutes à tout le monde le temps de se connecter un petit peu, de venir. J'espère que vous allez bien. En cette journée très froide, ma foi, là, je sais pas vous, mais ici, il y a un brouillard qui s'est levé là en 10 minutes, ça s'est installé. C'est impressionnant. Bonjour Simone, bienvenue sur le live. On va attendre de voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent encore une minute. Super, si ça va, Fatou. En tout cas, je te remercie, Fatou, tu es très très fidèle parce que à chaque live, tu viens me voir. Bonjour Marie, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien, Marie. Alors, aujourd'hui, on va faire notre petit tag avec notre petit sucre d'orge que j'ai appelé Candy Cane, qui veut dire sucre d'orge en canne, hein. Oh, merci Fatou, t'es très gentil, je te remercie, ça me fait très plaisir. Donc on va faire aujourd'hui un petit tag avec une petite collection, vous allez voir, qui est super sympa, qui est très très simple, vraiment, il vous faut pas grand-chose. Et ça fait, je trouve, un effet quand même vachement sympa pour un petit cadeau dans l'assiette, sur la table de Noël. On pourrait aussi imaginer l'accrocher dans le sapin. Voilà, moi c'est un cadeau que je vais faire à mes copines de mon équipe, puisqu'on a notre événement là ce week-end on stage, notre convention Stampin' Up, et du coup bah, je l'ai fait pour les copines. Je crois qu'elles vont être contentes, qu'elles vont bien apprécier. Alors, qui est-ce que j'ai pas dit bonjour? Ah, tu veux le sucre d'orge, Marie? Je t'en enverrai un si tu veux, pas de problème. Alors, bah, je vais vous montrer. Je vous remonte la petite photo du projet. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, il y avait juste un papier que j'avais oublié de vous dire la mesure. C'est le papier blanc qui est au fond. Qui est sur le fond, donc il va vous en falloir deux. Je vous redirai la mesure après, c'est la seule chose que j'ai oublié de mettre. J'ai oublié de le mettre quand j'ai fait la publication. La petite collection que j'ai utilisée, alors j'ai utilisé là sur celui-là la collection de papier pain d'épices et bonbons qui est dans le catalogue saisonnier là en ce moment. Merci Fatou.
qui est une super collection de papier. Moi, je la trouve top. Elle est pleine de peps. Puis elle est très traditionnelle. Voilà, pour celles qui aiment le Noël traditionnel avec du pain d'épices. Franchement, elle est adorable. Le papier, il est très très beau. Et j'ai utilisé pour les tampons. Donc, notre collection Joyeux Flocons. Donc là, j'ai utilisé que le set de tampons dans celui-là, mais vous avez les poinçons qui sont coordonnés, bien sûr, comme toujours. Et j'ai Stampin' Up, pour celles qui ne savent pas. Quand vous achetez simultanément le set de tampons et le set de poinçons coordonnés, eh bien, vous avez moins 10% sur l'achat simultané. Donc, je vous invite, voilà, pour celles qui ont les catalogues, à aller faire un petit tour. Sinon, bah, vous me contactez, il n'y a pas de problème. Je vous en envoie un. Sans problème. Je vous rappelle juste aussi le petit code hôtesse, s'il y en a certaines d'entre vous qui souhaiteraient passer commande sur ma boutique en ligne. Donc vous allez sur stampinup.fr, vous créez un petit compte, il faut juste une adresse mail, vous rentrez vos coordonnées, et puis on va vous demander de chercher une démonstratrice. Donc vous mettez mon nom et mon prénom, Delphine Marco. Vous allez pouvoir donc avoir accès à la boutique en ligne, faire votre commande, payer directement en ligne avec votre carte bleue. Et avant de valider la commande, vous mettez ce petit code hôtesse, ce qui va permettre de déclencher des primes créatives que je partage avec vous les clientes. Et donc grâce à ça, je vous enverrai un petit cadeau au début du mois prochain. Voilà, voilà. Je bascule sur le plan de travail et on va se mettre au boulot. Qu'est-ce que vous en dites? On y va? Alors aujourd'hui, j'ai pas utilisé la même collection de papier, j'ai voulu changer. Je suis restée dans un truc quand même assez traditionnel. Hein. C'est celui-là, il s'appelle Les plus belles fêtes. C'est la collection qui est dans le catalogue annuel. C'est du papier qui est en format 15 par 15. Et vous allez voir, c'est assez traditionnel. Hein. Voilà, on est sur du hou. Dans les tons vert foncé, du succulente soyeuse, il y a du rouge carmin, épinette enivrante, voilà, il est quand même sympa, j'aime bien. Moi je suis assez traditionnelle pour Noël. Donc là, alors attendez, je vais juste regarder l'autre téléphone parce que j'ai plus la caméra sur l'autre. Éteindre le son parce que comme ça vous allez arrêter d'entendre les ding ding ding. Voilà. Ça y est, vous me voyez. C'est mieux quand même quand on boit. Donc là, ici, j'avais pris sur celui-là la couleur c'est rouge rouge. Ah, je vais mettre un petit mot à Nicole. Bonjour Nicole. Je peux pas lui écrire là pour l'instant. Donc vous avez. Là, ici, c'est du rouge rouge que j'ai utilisé. Et là, aujourd'hui, je vais rester dans du rouge, mais un autre qui est différent. Je vais utiliser le cerise carmin. Voyez, c'est un petit rouge qui est bordeaux, qui est un petit peu plus foncé que celui-là. Sur la vidéo, vous ne voyez peut-être pas très bien. Ça ressemble un peu à la couleur de mon vernis à ongles. Un petit peu plus foncé. Regardez, vous voyez la différence? Ah, très bien, Marie. Ouais, super. Le papier imprimé, tu parles, ou le papier uni, cartonné? Donc là, bah, du coup, on va rester dans du rouge. J'ai préféré opter pour du rouge toujours parce que bah, du coup, ça allait avec mon sucre d'orge. Si j'avais fait en vert, ça n'aurait pas été très très joli, je trouve. Mais je crois que ça existe, les sucres d'orge dans d'autres couleurs. Donc pourquoi pas, hein, on peut en trouver. Et accorder nos couleurs papier avec notre sucre d'orge. Les deux, d'accord. Et donc, on va commencer tout simplement. On va prendre pour commencer. Alors, je mets ça de côté, j'en ai pas besoin pour l'instant. On va commencer par le tag ici. Donc ça, il n'y a rien de compliqué, c'est super simple. Donc là, votre morceau, je vous rappelle la taille, il fait 16 par 5 cm. 16 par 5 cm. Et on va venir tout simplement à l'aide d'une perforatrice. Donc moi j'ai utilisé celle-ci, charmante étiquette. Vous voyez. On va venir découper donc le haut pour faire notre forme en fait ici dentelée avec le trou pour le ruban.
Vous allez voir, franchement, c'est super simple. Alors, je vous fais ça. Hop. Alors, j'ai un petit défaut sur ma perfo, mais j'ai fait la demande à Stampin' Up, ils vont m'en envoyer une autre, parce qu'elle ne découpe pas bien à un endroit. On va faire ça, et puis on va venir, vous allez venir prendre les deux petits morceaux de blanc. Donc les deux petits morceaux de blanc, j'avais oublié de vous donner les mesures. Alors, ils font 4,5 cm par 13,8. 4,5 par 13,8 cm. Alors, si quelqu'un peut juste le mettre en commentaire, cette mesure-là, pour Nicole qui nous regarde, parce qu'elle est malentendante et moi je peux pas écrire. Bonsoir Valérie, bienvenue sur le live. Donc, je répète, les deux papiers-là blancs, ils font 4,5 par 13,8. Et donc, sur ces papiers-là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé notre perforatrice à trois motifs. Donc vous avez un motif, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. Vous avez un motif ici qui vous fait un petit trou tout simplement. Avec plaisir Valérie. N'hésitez pas s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Vous avez ici un petit motif qui vous fait, alors avec la lumière, j'essaie de vous le trouver pour vous montrer, qui vous fait comme une petite fleur pour faire dans un coin. Et ce côté-là qui fait un arrondi qui va arrondir les angles. Franchement, quand on démarre le scrap, ça a été une des premières perforatrices que j'ai achetées. Vraiment, je la trouve hyper fonctionnelle, on peut tout faire avec. Il y a plusieurs possibilités. Et quand on débute, qu'on n'a pas grand-chose, de mémoire, je crois qu'elle est à 23 euros. Donc en termes de rapport qualité-prix, voilà, vous avez trois fonctionnalités pour 23 euros. Je trouve que ça fait franchement le job. Elle est dans le catalogue annuel, celle-là, si vous voulez. Merci Fatou, c'est gentil. Eh bien, pas de souci, Valérie. Je suis très contente que tu nous rejoignes et que tu participes avec nous. Bah, je vais me présenter du coup, puisque tu ne me connais pas, Valérie. Donc, moi, je m'appelle Delphine Marco et donc je suis démonstratrice Stampin' Up en Seine-et-Marne. Donc, j'habite près de Coulommiers. Et donc bah, je partage avec vous ma passion du scrap par l'intermédiaire donc des produits Stampin' Up, parce que du coup, moi, je ne travaille que avec les produits Stampin' Up. Et donc, si vous souhaitez, en tant que démonstratrice, moi, du coup, je peux vous permettre d'avoir accès au matériel et d'en acheter. Donc, n'hésitez pas, si tu veux un catalogue, Valérie, tu me contactes et je t'en envoie un par voie postale avec plaisir. Donc là, du coup, je reprends mon petit papier comme Fatou vous a écrit, qui fait 4,5 par 13,8. Et je vais arrondir les angles en haut, vous voyez, pour que ça épouse en fait la forme de notre tag, pour que ça fasse plus joli. Donc on va faire. Voyez, ça arrondit l'angle. On fait un autre. Hop. Je vais vous montrer sur le bas, parce qu'on s'en fiche, ça se verra pas, ça sera caché. Ce que les autres font. Ah super, Nicole, si elle est sous titre, je suis contente. J'avais peur que ça ne marche pas. Avec plaisir, Nicole. Bonsoir Claudine. Ah bah oui, j'espère que c'est pas toi qui conduis, Claudine. T'es toujours en vadrouille, hein, Claudine. Hein. C'est bien, t'as raison, tu profites de ta retraite, c'est bien. Donc là, vous voyez cette découpe-là, ici. Regardez, je vais vous la montrer. Ça fait comme une petite fleur et on peut très bien imaginer mettre coller un papier de couleur en dessous. Vous voyez, ça fait super joli. Voilà. Et vous avez la troisième perfo, je vous le fais aussi. Montrer. Hop, ça fait un petit trou comme ça pour passer un ruban par exemple. Si vous n'avez pas cette perforatrice là par exemple et que vous avez que celle-là, et ben vous pouvez très bien faire votre tag en faisant le trou avec celle-ci en haut et ça fera tout à fait le job pour pouvoir passer votre ruban sans problème. Voilà, moi je vous la conseille vraiment cette perforatrice. Quand on démarre le scrap, vraiment c'est une des bases qu'il faut avoir avec le coupe-papier, une bonne paire de ciseaux. Au début, quand voilà,
Il faut avoir du matériel. Et bien celui-là, il fait bien le job parce que vous avez trois fonctionnalités en une seule. Donc j'arrondis les angles sur les deux. Alors je sais plus si derrière je l'avais fait en bas. Non, je l'avais pas fait en bas. Voilà. Donc ça, je l'enlève, j'en ai plus besoin. Et donc on va faire des petits tamponnages dessus. Donc moi j'ai utilisé les tampons joyeux flocons. J'avais utilisé celui-là. Et puis bah là on va changer, je vais utiliser celui-là. Pour venir faire ma petite déco sur le fond de mon tag. Donc, je prends mon bloc acrylique. Je viens prendre mon tampon. Si j'arrive à le décoller, voilà. Elle est un peu plus grande cette étoile-là, mais ça va faire joli aussi. Donc, je vais venir ancrer. Et donc là, on va venir... Alors, si ça rentre pas parfaitement partout, c'est pas grave. Hein. Si ça dépasse, on s'en fiche. Regardez si ça fait pas joli. Ça ressemble vraiment mais à la couleur de mes ongles. Hein. Vous remarquerez, jusqu'au bout, je suis coordonnée. Hein. Hop. Alors, il n'y a pas besoin de faire du tamponnage sur le bas. Hein, parce que ça va être caché là à l'intérieur. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Celui-là, je vais le mettre derrière. Je vais en refaire un autre. Hop. Voilà. Ça fait top, non? On voit la différence. Il est vraiment rouge plus foncé, celui-là. Donc, celui-là, c'est, je répète, c'est le cerise carmin. La couleur. Hop. Voilà, je vous le remontre. Cerise carmin. D'accord? Alors. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il y en a un. Alors, c'est celui-là que je vais mettre devant. On va venir faire des petits trous. Ici, là, à ce niveau-là, vous voyez, pour venir mettre la ficelle ici rôtie que j'ai mis, la ficelle argent, on va la faire passer avant de coller pour la cacher, en fait, entre les deux papiers et qu'elle ne se voit pas. D'accord? Donc, moi, j'utilise la crocodile. On va venir faire quelques petits trous. Alors, vous pouvez tout à fait venir avec votre sucre d'orge pour vous faire un petit repère, voir où est-ce qu'il faut bien faire les trous. Ici, comme ça, à peu près, par là. Okay. Donc, on va faire deux petits trous à environ, on va dire, 2 cm du bord. Je vais utiliser plus petit, peut-être. Ouais, je suis là, je suis à 2 cm, ouais, c'est ça. Le premier, vous en faites un à 2 cm. Et puis après, on raccourcit, on fait à 1,5. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez, les trous, là. Ah oui, moi aussi, c'est mon rouge préféré. Le rouge-rouge, j'aime bien aussi, mais le cerise carmin aussi, ouais. Donc voilà, on fait les deux petits trous ici, là. Vous les voyez, là. Et on va venir passer notre ficelle tout de suite. Comme ça, elle va être emprisonnée derrière, entre nos deux papiers. Et on ne la verra pas. Ça fera plus joli. Donc là, j'ai choisi de changer. J'ai pris la ficelle dorée. Donc un petit bout de ficelle. Vous venez la passer dedans. Ça, on fera un joli nœud après. Voilà. Et là, vous allez venir le coller directement comme ça. D'accord? Bon, là, vous ne vous occupez pas de ça. Vous, en bas, là, vous ne l'aurez pas. Hein, parce que c'était pour vous montrer. Hein.
Et vous allez venir donc le coller, et comme ça votre fille elle est emprisonnée, elle bougera plus, pas de risque qu'elle s'en aille. Donc là vous allez pouvoir coller, donc à la colle, au double face, comme vous voulez. Voilà, comme ça il va être bien emprisonné, elle ne bougera pas. Donc vous venez vous aligner en fait par rapport au haut de votre tag pour que ça fasse quelque chose de joli. Parce que le bas, on s'en fiche, il sera caché par la petite boîte, le petit tiroir qu'on va faire après. Alors, je vois qu'il y a Ludivine qui nous regarde aussi. Bonjour Ludivine. Je regarde les gens qui sont là aussi un petit peu. Voilà. Et puis derrière, on va pouvoir coller le deuxième de la même façon. Alors derrière, c'est pas obligé. Moi, je trouvais que ça faisait plus joli et aussi ça donnait plus de tenue en fait au tag. Il y avait un petit peu plus d'épaisseur et ça faisait plus, c'était mieux, je trouvais. Après, c'est au goût de chacun. Hop. Pas très bien centré mon affaire. Alors, on pourrait aussi imaginer que, bon, là, moi, j'ai fait du tamponnage derrière, mais vous pourriez très bien, par exemple, écrire un petit message à chaque, pour la personne à qui vous allez offrir, pour personnaliser, je sais pas, pour mettre joyeux anniversaire à quelqu'un, par exemple, enfin, joyeux Noël à quelqu'un, et puis vous le signez, vous mettez son prénom, ça peut être aussi, ça peut fonctionner aussi. Ça pourrait aussi faire marque-place, sur une table. Là, vous pouvez mettre un prénom sur le devant aussi. Tout est possible. Donc, vous voyez, il va venir comme ça. On vient l'accrocher. On fait un joli nœud. Ça, c'est, je vous le referai après, c'était pour vous le montrer. Donc déjà, cette partie-là est faite. D'accord? Faut la mettre de ce côté-là, comme ça on se la garde sous les yeux. Et donc là maintenant, on va attaquer le petit tiroir ici, qui est tout aussi simple, vous allez voir, rien de compliqué. Donc là, pour ça, il va vous falloir un morceau de papier cartonné, donc uni. Donc là, je suis restée toujours dans ce risque carmin. Et celui-ci, il fait 9 cm par 8 cm. Et sur ce papier, donc je reprends mon coupe-papier, on va faire plusieurs plis et je vais vous mettre le schéma du plan de coupe. Je vous le mets tout de suite, il est ici. Donc sur ce petit morceau, vous allez faire en fait un pli à 1 cm et à 2 cm sur trois côtés uniquement. J'insiste bien sur trois côtés uniquement. Sur les deux côtés, enfin sur les deux côtés, sur quand vous prenez votre papier sur le petit côté, sur les deux grands côtés et sur le bas, en fait. Sur trois côtés uniquement, hein, j'insiste bien, parce que sinon, du coup, votre tiroir, ça n'ira pas là. Donc on fait les plis. Je vous laisse le schéma s'il y en a qui veulent prendre des notes, pendant que je fais mes plis. Mes petits plis, donc 1 cm et 2 cm sur trois côtés uniquement. Voilà, je vais rebasculer la caméra pour que vous voyez ce que ça donne. Je me remets ici. Voilà. Si vous voulez voir le schéma, vous n'hésitez pas, hein, vous me le dites, hein.
Bonjour Christelle, bienvenue sur le live. Donc voilà, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc là, j'ai mon 9 cm qui est ici et j'ai le 8 cm qui est ici, d'accord? Et donc on a fait des plis à 1 et 2 cm sur trois côtés uniquement, vous voyez, ici sur les deux côtés et en bas, d'accord? Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, il va falloir faire quelques petites découpes pour créer les languettes. Je retrouve mes ciseaux qui sont là. Pour créer les petites languettes. Alors, je vous remets le plan de coupe comme ça vous voyez. Donc vous voyez sur les plis qui sont en bas, on va faire des petites découpes en suivant nos plis pour créer une toute petite languette. Alors, je vous en fais une, je vous laisse le petit schéma et je vous montre après ce que ça donne, d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que mes schémas sont clairs et que ça vous convient. Moi, je pars du principe que c'est toujours plus facile, voilà, d'expliquer les découpes comme ça avec un petit schéma. Je trouve que le visuel est parfois beaucoup plus parlant. Pour moi, en tout cas, je trouve. Donc, je vous rebascule. Pour vous montrer, voilà, j'en ai découpé un d'un côté. Vous voyez ce que ça donne? On va découper comme ça, en suivant nos petits plis qu'on a fait. Donc là, j'ai mes deux plis qui sont en bas. Et je viens créer une petite languette là, ici. Et donc, je vais faire la même chose là, de l'autre côté. Donc, je le ferme avec vous. Donc, je viens suivre ici le pli. Hop. Là, ça, je vais l'enlever. Ah, oh, merci Claudine, t'es gentille. Hop, ça, on enlève. Là, on va venir couper jusqu'au second pli ici. Vous voyez, je crée ma petite languette là. Ça, on l'enlève. Et là, on biseaute très légèrement. Et voilà, on se retrouve avec notre petite languette qui sont créées. D'accord? Comme ça, quand on va plier, vous voyez, on va venir créer une petite boîte, voyez, grâce à la languette ici. Alors, avant de monter notre boîte, ce qu'on peut déjà faire, c'est mettre le papier mattage et le papier imprimé. Donc, je vous avais dit qu'il fallait un papier mattage de 4,8 cm par 5,8 cm, ici. Et le papier imprimé, 4,5 cm par 5,5 cm. D'accord? Et vous venez les coller l'un sur l'autre. Faites attention au sens de votre papier. Alors je vous dis ça parce que je me suis déjà trompée moi. Hein. Je me suis foirée dans le sens et je l'ai collé, il était à l'envers le truc. Hein. Donc là c'est un petit papier, vous avez vu, avec du houx. Et puis les petites baies rouges du houx, en fait, elles sont en cerise carmin comme mon papier cartonné uni. Vous avez vu, hein? C'est pas trop la classe. Et donc, vous venez coller ça sur le devant de votre petit tiroir. On vient le centrer, faire quelque chose. Voilà. Donc là, on se retrouve avec ça, d'accord? Ensuite, on va prendre du double face. Il est là, mon double face. Et du coup, pour fermer la boîte, en fait, il va falloir mettre du double face sur la bande la plus à l'extérieur à chaque fois. D'accord? Qu'on va venir ensuite coller sur le tag. D'accord? Donc, un petit peu de double face.
Bah aussi, je travaille avec du double face Stampin' Up, hein. L'avantage, c'est qu'il se déchire tout seul, il se coupe tout seul, il n'y a pas besoin de ciseaux. Vous voyez, hop, on tire dessus et ça vient. Alors, ensuite, on va marquer les plis. Je vais prendre mon plioir. Heureusement que tout est dans la même pièce. Donc, on vient marquer les plis. Donc, on va venir coller déjà, on va enlever le double face du bas. Vous allez venir coller un des côtés déjà dans le coin, comme ça va fixer votre structure, ça va l'asseoir un petit peu, la fixer, et ce sera plus facile pour venir la mettre sur votre tag. On vient bien mettre bord à bord. Voilà. Ensuite, on enlève la protection du double face à la pellicule. Vous allez pouvoir venir coller sur votre tag. Alors, je vais enlever ça parce que ça va me gêner. Je le remettrai après. Donc, il faut venir bien au bord en bas. Il faut vous aligner bien en bas. Et ensuite, on fait les côtés. De faire quelque chose de bien et on passe un petit coup de plioir à l'intérieur pour bien appuyer sur notre double face et qu'il adhère bien partout. Voilà. Bah ça le fait, non? Donc je vais remettre mon petit sucre d'orge à l'intérieur. Là, je peux bien le fixer maintenant. On va faire un joli nœud. Ah, je vais y arriver. Joli. On va couper ce qui est trop long. J'aime bien cette petite ficelle là, que ce soit l'argent ou la dorée, parce que elle se travaille facilement, les nœuds ils se font super facilement. Il nous reste à mettre un petit morceau de ruban en haut. Donc là, j'ai choisi un ruban aussi cerise carmin avec des reflets or. Il est trop trop beau. Au fait, Claudine, tu n'as pas reçu ton courrier du mois? Parce que je l'ai envoyé, je l'ai posté lundi. Vous venez, hop. Il est beau ce ruban aussi, hein. J'adore. Faut que j'essaye de trouver des sucres d'orge verts. Parce que j'aimerais bien essayer en vert. On va couper ce qui est trop long. Et moi, j'aime bien faire une petite découpe pour que ça fasse un joli fini. Vous savez bien que celles qui commencent à me connaître un peu, j'ai des tocs des fois. Donc vous pliez votre ruban en fait tout simplement et on vient le couper pour que ça fasse un petit effet en chevron.
Celui-là, je l'ai un peu raté. Hop, voilà. Et puis, il nous reste notre petite déco sur le devant. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Donc, moi, j'ai fait un petit message joyeuse fête. Et alors, je voulais vous montrer, parce que là, vous voyez, j'ai utilisé un petit flocon, ici, qui fait un peu un effet irisé. Bonjour Lily, bienvenue sur le live. Donc un effet irisé. Tu es dans les bouchons? Ah ma pauvre. T'es dans les bouchons où à Paris? Un effet irisé. En fait, ce sont des petits flocons qui sont déjà prédécoupés, vous voyez? Donc ça, il n'y a pas besoin d'avoir de Big Shot, de Dyes et tout. Ils sont déjà prédécoupés, tout fait. Donc ça, vous les trouvez dans le catalogue saisonnier, là, dans le catalogue automne-hiver. C'est pas très cher, hein, de souvenirs. Je dirais, genre, il y a combien de découpes dedans? Il y en a 24 en tout. Je dirais, je crois que c'est 11 euros, quelque chose comme ça. Et vous pouvez tout à fait les... Comment dire? On peut les coloriser, on peut les estomper par exemple avec la brosse à estomper avec de l'encre. J'aurais pu le coloriser en vert, tiens, ça aurait fait joli. L'estomper un petit peu en vert. Alors, on va venir mettre une petite mousse 3D au dos pour la fixer. Alors les coloriser, non, mais tu peux les estomper, je l'ai déjà fait, avec la brosse à estompe, je ne sais pas si tu connais, ou les doigts à éponge. Tu peux leur donner un petit effet colorisé. J'en ai fait un, je ne sais pas où il est. Je l'avais fait sur un autre projet, mais le projet, je l'ai déjà offert à quelqu'un. Et puis on met un petit joyeuse fête. On va le mettre comme ça. Allez. Avec de la petite mousse 3D. Et voilà. Je vais te montrer la brosse à estompe, Marie. Alors. Tu peux tout à fait, voilà, avec la brosse à estompe ou avec un doigt à éponge. Tu vas prendre un petit peu d'encre sur un pad et puis tu vas les coloriser en fait. Tu veux que je te montre? Je vais te le faire. En fait, j'ai découvert ça parce que j'ai fait un truc une fois. Donc j'ai pris un flocon comme ça. Et je voulais faire un fond en fait. Donc tu viens de mettre un peu d'encre ici. Alors tu décharges parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop. Mais ça va être léger, hein. C'est pas, il sera pas rouge vif, hein. Il va être très léger. Voilà, tu vois, ça rend comme ça. Voilà. Voilà, je te monte un peu plus près, tu vois. Regarde ce que ça donne. À la base, ils sont blancs comme ça, tu vois. Et là, ça fait des reflets légèrement rouges co coordonnés à notre projet. Et tu peux le faire dans toutes les couleurs. Alors, je pense de préférence avec les couleurs foncées, parce qu'avec les couleurs claires, on verra rien. Et tu peux aussi le faire avec les doigts éponge sur le même système. Alors les brosses à estompe, elles sont vendues par 3 si ça vous intéresse. Merci les filles, c'est gentil. Et voilà, et puis bah, notre petit projet, il est terminé. On a fini. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Vous voyez, en plus j'ai commencé en retard. En 40 minutes, on l'a fait.
Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui veulent savoir, avoir des informations, quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été compris peut-être? Vous voulez revoir le schéma de coupe ou de pli? Je sais pas, dites-moi. Puis après, j'ai une petite surprise, je vais vous montrer, je vais vous dire un petit truc. Avec plaisir, Nicole, merci beaucoup. T'as vu, Marie? En très peu de temps, tu fais un super truc. Merci Nicole, merci Valérie. Alors, pour terminer, deux choses, j'ai deux choses à vous dire. Je rebascule la caméra juste sur moi. Alors, merci Fatou, à bientôt. Donc, deux choses. Si j'ai publié donc les calendriers de l'Avent que j'ai fait pour mes filles et ça a eu fort fort succès. Vous les avez beaucoup beaucoup aimés. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages. Vraiment, je vous en remercie. Du coup, pour la petite surprise, du coup, je vous propose, si vous souhaitez, si ça vous intéresse, que je vous montre comment je l'ai fait. Alors, je vous précise, je vous montre le projet et je vous explique après. Alors, j'ai présenté ce calendrier de l'Avent là. Voilà. Il y en avait un autre avec une forêt de sapins pour ceux qui ont été voir sur Facebook, vous irez voir. Donc je vous propose, si ça vous intéresse, de vous montrer comment on fait cette boîte en fait. C'est une petite boîte tiroir, vous voyez. Je vous propose de vous montrer comment on fait cette petite boîte. Comme ça, vous avez la base en fait pour faire un calendrier de l'Avent. Et ensuite, libre à vous de lui donner la forme que vous voulez. De le monter comme vous le souhaitez. Ça peut être très bien accroché à un mur, sur une base cadre par exemple. Donc voilà. Donc je vous propose ça si ça vous intéresse. Alors je ne sais pas si on le fera la semaine prochaine. Je préfère pas vous dire que ça sera la semaine prochaine, mais ça sera ou la semaine prochaine ou dans 15 jours. Voilà. Histoire que vous ayez le temps de les préparer, de les faire avant Noël. Parce que. Une boîte, c'est pas bien compliqué à faire, mais quand il y en a 24, c'est assez long quand même. Donc si vous, ça vous intéresse, eh bien, je vous propose ça. Merci les filles, merci Valérie, merci Fatou. Je vous propose ça, comme ça, parce que vous présentez un tuto vraiment du calendrier de l'Avent en entier, on en a pour l'après-midi, hein, clairement, parce qu'il y a 24 boîtes à faire quand même. Donc on n'y arrivera pas. Mais voilà, je vous propose de mon vous montrer comment on fait cette boîte, comment le monter. Alors là, je l'ai monté en forme de sapin. Ouais, Marie. Hein. Parce que l'autre, c'est en forme, c'est une tour hexagonale, je vous la montre. Le deuxième, il est comme ça, vous voyez? Avec une petite guirlande qui s'allume. Donc du coup, c'est la même base boîte, hein. C'est la même, exactement. Voyez? Mais là, je l'ai montée sur des plateaux. Donc du coup, bah, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, Lisa Scrap. Comme ça, vous serez averti quand je publie l'événement, vous serez averti et vous pourrez vous inscrire sur l'événement. Ça sera un événement gratuit, hein, comme d'habitude. Et puis comme ça, du coup, je vous montrerai certains produits Stampin' Up! Que j'ai utilisés, certaines collections. Et puis voilà. Et dernière info que je vous dis. Ah oui, hein, il est beau celui-là, Fatou. Hein. Ouais. Il est chouette, hein. Et donc, merci Marie. Et donc la dernière petite chose que je voulais vous dire, alors si certaines d'entre vous seraient intéressées pour rejoindre l'équipe Stampin' Up! Et rejoindre mon équipe pour le coup, il y a une offre exceptionnelle en ce moment, une offre de lancement qui vous donne droit donc à commander pour 175 euros de matériel dans tous les deux catalogues confondus. Vous avez le droit de commander tout ce que vous voulez. Mais elle ne vous coûte que 100 euros. Vous n'avez que 100 euros à payer. Vous avez les frais de port qui sont offerts, vos fournitures de lancement. Ça vous donne droit, je vous mets la petite affiche, ça vous donne droit au final
L'avantage, c'est que vous avez accès au catalogue en exclusivité avant tout le monde. Vous pouvez bénéficier de moins 20% sur vos commandes, mais il n'y a aucune obligation de faire des ateliers, de faire des lives, d'avoir un blog. Enfin voilà, ça peut très bien être. Vous pouvez très bien être démonstratrice hobby, comme on dit, et pour vous personnellement. Parce que c'est moins 20%, vous les avez sur tous les types de commandes, que ce soit commande démonstratrice, que ce soit commande atelier, une commande pour vos clients, voilà, sur tous les types de commandes, vous avez moins 20%. D'accord? Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, vous m'envoyez un petit message, on en parle ensemble, mais vraiment, je répète, il n'y a aucune obligation, aucun engagement de votre part à devoir faire voilà, des ateliers ou des choses. J'ai une filleule qui m'a rejoint il y a maintenant 3 semaines, qui a rejoint l'équipe, mais elle s'est inscrite juste pour elle, pour pouvoir profiter voilà, d'une offre. Il y avait eu une autre offre de lancement il y a un mois, et elle a juste bénéficié de l'offre de lancement, et maintenant du coup elle se fournit elle-même toute seule, et elle a moins 20% à chaque commande. Donc au début c'est moins 20%, et après si vous montez au palier suivant, si vous montez au palier suivant, après c'est moins 25%. Donc ça peut être intéressant, n'hésitez pas, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous expliquer un petit peu tout ça et de vous renseigner. Voili, voilou, je reviens sur moi pour vous faire des bisous. Voilà. Je vous remercie d'être venu me voir, d'avoir participé à ce petit live, d'avoir créé avec moi ce petit tag avec un sucre d'orge. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, je vous fais plein 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 de bisous, de scrap bisous, portez-vous bien et puis profitez et soyez créative. Je vous fais plein de bisous bisous, ciao ciao, à bientôt!